Seigneur aura honte de toi. Jamais. Si tu as honte de la Bible, le Seigneur aura honte de toi. Tu auras la honte. J'étais avec Patrice. Quand il est venu à Londres, il y a un mois de ça, j'ai téléphoné Patrice, a dit pasteur Javene. Je veux le voir à Totonif. Il me dit pasteur Jacques, merci. Je voulais te voir pour te dire quelque chose. Moi je dis bon, quelle est cette chose? Il a dit que tu sais quand nous étions à Kinshasa avec toi, il y avait 17 personnes à l'église. Mais aujourd'hui, ton église, à 400 personnes, je glorifie l'Éternel. Je veux aller là-bas chanter encore. Mais sauf que j'ai trouvé quelque chose. Il n'y a pas l'amour à Londres. Il n'y a pas d'amour à Londres. Où sont d'autres frères? Où sont d'autres pasteurs? Où sont d'autres serviteurs de Dieu? Mais écoute, il faut tout le temps te rabaisser. Moi j'ai été critiqué. Mais si on te critique, c'est ton élévation. Si on te critique, c'est ton élévation. Ne cherche pas l'argent dans le ministère, mais cherche à être rabaissé. C'est plus que l'argent. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, même dans ton mariage, même na kati na libala na yo, cherche à être rabaissé devant ton mari. Même dans ton mariage, na kati na libala na yo, cherche à être rabaissé devant ta femme. Si tu te rabaisses, tu vas connaître beaucoup de choses cachées dans ta famille. Mais si tu es tout le temps comme ça, la femme va garder beaucoup de secrets. Moi, quand j'étais orgueilleux devant ma femme, j'ai aimé ma femme quand elle avait 14 ans. Mais aujourd'hui, elle a 46 ans. Malgré que... Alléluia! Amen. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, alléluia! Je réduis une année. Comme elle a 45 ans, depuis qu'elle avait 45 ans, j'ai connu une partie de sa vie. Mais quand elle m'a demandé de faire une chose à la maison, elle me demande encore de faire la deuxième. Fois. Elle m'a demandé aussi de laver beaucoup de choses pour elle. Elle m'avait encore demandé de préparer la semoule. Elle m'a demandé de garder les enfants. Et je suis devenu son chauffeur pour aller la chercher au travail. Un jour, elle a ouvert le cœur. Elle m'a tout dit. J'étais étonné. Moi, je dis, mais si je savais, tu n'allais pas être ma femme. C'est vrai. C'est vrai. La vérité a franchi. La vérité franchit. Mon frère, ma soeur, si tu dis la vérité, il y a l'amour qui s'augmente. Si tu dis la vérité, il y a une délivrance totale. À partir de ce jour-là, je n'ai pas le temps pour lui donner les coups. Je n'ai pas le temps pour dire allez, on va vous n'avez pas. Non. J'ai dit maintenant c'est le temps de vaguer ensemble. Dans le ministère maintenant, puisque nous avons atteint maintenant les cheveux blancs, nous ne pouvons plus reculer derrière. Et mon frère, le Seigneur te demande, pourquoi tu ne veux pas laisser ce que tu fais? Tout ce qui méprise le nom de l'Éternel, pourquoi ne veux-tu abandonner cela? Mon frère, ma soeur, si nous parcourons maintenant la Bible, nous allons voir des merveilles. Nous allons voir des merveilles. Il y avait un monsieur que j'apprécie souvent.
Il s'appelle Abraham. Il s'appelle Abraham. Ce monsieur, en tout cas, il est très cher devant moi. Mais pas plus que mon Jésus-Christ de Nazareth. Mais il est très important. Vous savez, ce monsieur, ce prophète, et dans le premier prophète que Seigneur a dit, il était très intelligent. Ce monsieur, si tu vois son histoire, quand il a eu la déluge, quand je suivais mon frère en train de faire la modération, il a parlé de la déluge. Mais si vous voyez la déluge,